Les systèmes de survie sont stables. Il a quitté Völd ? Il a été libéré et il n'est même pas passé me donner des nouvelles ? Désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce que fait Nilge est extrêmement important et urgent. Même pas un coup de fil. Salut, Frangine, c'était juste pour te dire que je suis toujours en vie. Rien. C'est entre vous et lui. Il avait largement le temps de vous appeler. Merci de m'avoir prévenu, en tout cas. Je vous tiendrai au courant si je trouve autre chose. Entendu. Terminé. C'est vous, Buxil ? J'ai quelque chose pour vous. De la part de mon frère qui n'en finit plus de jouer les héros ? Oui. Anjik m'a dit que vous passeriez. Mon fils Keot m'a dit qu'il avait envoyé des gens secourir Nihilge. Je pensais que vous y resteriez aussi. Contente de voir que j'avais tort. Merci de l'avoir libéré. On a bien failli perdre des mois de travail. C'est dur de perdre un membre de sa famille. Je suis ravie d'avoir pu vous éviter un tel drame. Merci. Les gens parlent beaucoup de vos talents, mais ils oublient de mentionner votre générosité. Oh. Maintenant, voyons ce qu'on a là. Par les étoiles. C'est le plan du centre de commandement Kert. Les entrées, les sorties, la sécurité. On va pouvoir plomber leurs opérations. Attendez. Il y a autre chose. Oh. Ça, c'est pas bon. Quoi ? Les entrées de la base sont protégées et verrouillées par un code qui change. Souvent. D'après les métadonnées, ils ont téléchargé ça il y a des semaines. Le code va bientôt changer. Si on veut les attaquer, c'est maintenant ou jamais. Laissez-moi vous aider. Dites-moi ce que je peux faire. Le code de désactivation des boucliers de sécurité est crypté, mais je travaille dessus. Je vous ai envoyé la carte et les coordonnées d'une entrée latérale qui devrait être moins gardée. Allez-y vite, on reste en contact. On dirait un poste de garde. Il y a un dar là-bas. On les a sûrement informés de notre venue. Je ne pense pas qu'ils tireront. Pionnier Ryder, c'est formidable de vous rencontrer enfin. Je suis Harry Veschek, chercheur et chroniqueur. Je suis vos activités avec le plus grand intérêt. Un chroniqueur ? C'est comme un historien ? En quelque sorte. Privés de notre mémoire du passé ou d'espoir pour l'avenir, nous devenons de la poussière dans le néant. C'est un merveilleux sentiment. Ce sont les paroles de ma grand-mère. C'est elle qui m'a lancé sur cette voie. L'œuvre de ma vie consiste à documenter les événements qui façonnent notre monde. L'arrivée de visiteurs venus d'une autre galaxie est, bien sûr, un développement très important. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider dans votre travail ? J'ai toujours voulu savoir comment l'invasion Kert avait commencé. Ils doivent avoir des archives de notre premier contact, alors que nous, nous n'en avons aucune. Où est-ce qu'on pourrait obtenir ces informations ? Les Kert sont des militaires. Ils doivent tenir des registres qui sont peut-être accessibles dans leur base de Völd. Il serait imprudent de s'en approcher, mais si vous vous trouvez là-bas un jour, essayez de trouver ce que vous pourrez. Pourquoi les Angara n'ont pas d'archives de leur premier contact avec les Kert ? Ceux qui s'y trouvaient ne peuvent pas raconter leur récit. Ils sont morts ou disparus. On raconte des histoires, des rumeurs. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Je vous laisse travailler. Bien. J'espère vous revoir quand les temps seront plus calmes. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre peuple. Ah!
Deckert ont déployé un sacré bouclier au milieu de nulle part. C'est Janik. Les Kert pensent qu'ils y trouveront des reliquats. On ne peut pas percer ce bouclier. Il est contrôlé par la base principale. Vous approchez pas trop du bord, gamine. Relax, je gère. J'ai toujours aimé Völd. C'est une planète dure, mais magnifique. La température extérieure est en chute libre. Buxil, je suis à l'entrée de la base. Vous avez réussi à décrypter le code des boucliers? À l'instant, je vous le transfère tout de suite. Que les étoiles vous éclairent, pionnière. Voilà. On y est. Au boulot.
travail. Cher, t'en approches. Il semble s'agir d'un bâtiment de stockage sécurisé. L'entrée est verrouillée par une matrice défensive. Eh ben, je sais pas ce qu'il cache, mais ça doit être important. Il faut qu'on désactive cette matrice défensive. On arrive à la base de commandement. Je sais que c'est un peu difficile par ce temps, mais j'espère que vous êtes chaud. Pionnière, je vous recommande de vous diriger vers la tour principale. Il semble s'agir du cœur de la base. Des ennemis!
un terminal de sécurité à verrouille. Et l'accès à la tour. Kurt, le terminal est protégé par un champ de force. J'ai indiqué l'emplacement des trois générateurs qui alimentent ce champ de force. Neutraliser tous les générateurs vous permettra de couper le terminal de sécurité. L'accès au bâtiment de stockage. De la température. Et de deux générateurs, plus qu'un. Les générateurs ont été neutralisés. J'ai indiqué les coordonnées du terminal de sécurité. Détruisez-le pour ouvrir l'accès à la tour Kurt. Let's go.
La température est en baisse, pionnière. La température ambiante est normale. Les systèmes de survie sont stables. Le terminal de sécurité est détruit. Allons à la tour. Et voilà. Espérons que ça les arrête. Thank you.
Pénière, il semble que chacune des plateformes du hangar soit dotée d'un système de ravitaillement automatisé. Si vous parvenez à accéder aux commandes, je pourrai surcharger le système. Attention, Deckard! Les commandes sont verrouillées. Pionnière, j'ai localisé plusieurs terminaux de contrôle à proximité.
Attention, d'équerre. Ennemi éliminé. Pionnière, les commandes pour neutraliser la base carte sont situées au sommet de la tour, dans la salle d'observation Zenith. Il y a un ascenseur à proximité que vous devriez pouvoir emprunter. Et voilà. Espérons que ça les a... Right. Sacrée vue. Et voilà. Espérons que ça les arrête. Je détecte une diminution de la température. On a essayé de détruire cet endroit pendant des mois, et vous avez réussi en un clin d'œil. La destruction de leur système et de leur structure de commandement rend le reste des cartes vulnérables. Vous vous souvenez de Jenny Hick? Son bouclier protecteur s'est désactivé. La ville gelée? Oui, c'est ça. C'est l'occasion idéale pour leur asséner le coup de grâce, pendant qu'ils sont en plein chaos. Parlez-moi de cette ville antique. On dit qu'elle a été abandonnée quand le fléau est arrivé. Le froid s'est abattu sur la ville, et elle s'est retrouvée figée dans la glace. Les Kert ont appris qu'on s'y intéressait et ils s'en sont emparés. Ils pensent pouvoir dérober tous ces secrets concernant les reliquats. J'espère juste qu'ils n'ont pas tout détruit. Je vais m'en occuper. En attendant, je vais voir si je peux trouver quelque chose ici. Faites attention, Ryder. Je détecte une température normale, pionnière. Système de survie rétabli. Il y a beaucoup de consoles. Si
Si les cartes tiennent des registres, nous devrions pouvoir y accéder d'ici. Une fois connecté, je pourrais faire une recherche pour localiser les données pertinentes. Je détecte des températures inférieures à la normale. C'est un sous-système critique. Vous devez en saboter 3 afin de neutraliser la matrice défensive. La matrice défensive a été détruite. Le bâtiment de stockage est maintenant déverrouillé. Ok, voyons ce que les cartes cachaient. La température est en baisse, pionnière. Vérification environnementale. Les températures sont... Les cartes faisaient le plein. Je parie qu'il y en a d'autres dans la pièce au-dessus. Les registres du premier contact avec les Angaras sont isolés, pionnière. Waouh, on dirait que certains des premiers Angaras trouvés par les Kert ont été forcés à travailler pour eux. On devrait montrer ça à Rives Shek. Je crois qu'on va devoir chercher les autres dans le coin. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Thank you.
Ce fil peut être relié à un point à la surface, pionnière. Tu crois qu'il mène à la base du monolithe? Il faut qu'on aille voir. Bon, allons résoudre ce machin. Thank you.
Ce n'est pas notre genre de laisser des dépouilles de Kirt sur le champ de bataille. Un appareil. Bay de stockage de données Angara est toujours actif. Ça mérite un coup d'œil. Je détecte une interférence de la fréquence locale. Elle pourrait affecter les communications planétaires. Allons voir. Traces de pas qui s'éloignent. Les nôtres. On n'abandonne pas nos morts à moins d'y être contraints. Je détecte un appareil de stockage de données Angara qui transmet un signal basse fréquence autoguidé. Quelqu'un l'a laissé ici exprès. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais on arrive trop tard. Informer la résistance de ce qui s'est passé ici. Je vais transmettre toutes les données recueillies sur ces champs de bataille à la base de la résistance. Parfait. Maintenant, on dégage. Système de survie à 100%. J'ai ajouté la destruction des Kirt sur Volt à mes archives, pour que nous puissions nous en souvenir. Mais avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant dans les bases de données Kirt? Des informations sur le début de leur invasion? Ça pourrait vous intéresser. Non, c'est impossible. Il est écrit que certains Angara ont volontairement fourni des informations aux Kirt. Ils ont trahi leur propre peuple. Ils ont probablement mené les Kirt à d'autres Angara. Les Kirt auraient trouvé d'autres Angara tout seuls. Au bout du compte, ça ne change rien. Je ne trouve pas cela rassurant, Raider. Et nous ne saurons jamais quel était le but de leurs actions. Je ne peux pas inclure cela dans notre histoire, Raider. On ne peut pas se souvenir de nous ainsi. Le conflit contre les Kirt se poursuivra pendant des années. Nous avons besoin d'espoir, pas de vérité accablante. Je suis d'accord. Même si c'est la vérité, ça ne sert à rien de la dévoiler. Je vais conserver ces données. Peut-être qu'un jour, nous serons prêts à l'accepter. Mais pour le moment, mon peuple ne doit pas savoir que certains d'entre nous ont cédé. Ils doivent croire que nous nous sommes battus. Merci, Raider. Je n'oublierai jamais le service que vous avez rendu aux Angara. La température est en baisse, pionnière. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Je me fais du souci pour elle. Ça va. Vous venez observer les Yevara? Les Yevara? Qu'est-ce que c'est? Marchez sur le lac gelé et vous les verrez sous la glace. Elles vivent sur Völd depuis des millénaires.
Les seuls contes folkloriques Angara qui aient survécu au fléau sont ceux qui parlent des Yevara. Ce sont des créatures intelligentes et magnifiques. Et notre lien le plus étroit avec notre passé. Et maintenant, les vôtres vont les mener à l'extinction à force de les chasser. Je n'ai pas entendu dire que l'initiative chassait sur Völd. Pas l'initiative, les hors-la-loi. Ils en ont tué 2 douzaines dans le mois qui a suivi leur arrivée. On n'a pas les ressources nécessaires pour pister ces braconniers, et la résistance est trop dispersée. À cette allure, notre seul lien avec notre histoire va disparaître à tout jamais. Ryder, les Yevara sont essentiels à la culture Angara. Il faut arrêter ces chasseurs. On fera notre possible pour vous aider. Il faut faire vite. Vous avez dit que vous aviez des contes folkloriques qui parlaient des Yevara. Allez savoir pourquoi, seuls les contes sur les Yevara ont survécu au fléau. Elles ont presque toutes le même thème. Le chant d'une Yevara est si beau qu'il peut faire apparaître le soleil ou les étoiles. Ce ne sont que des légendes, bien sûr. Mais puisque toute notre histoire est perdue, les légendes nous sont précieuses. Je comprends pourquoi les Yevara sont aussi importantes pour vous. Pour tous les Angara, elles représentent ce dont le fléau nous a privés. Il n'est pas question de les perdre. Parlez-moi des Yevara. Ce sont des créatures remarquables, capables de communiquer par le biais de chants complexes. Il y a bien longtemps, on aurait pu entendre ces chants, nous aussi. Mais le fléau a piégé les Yevara sous la glace. Alors, on doit se contenter d'enregistrements pleins de parasites. Comment est-ce qu'elles survivent sous la glace? Personne n'en sait rien. On a consacré notre vie à les étudier, mais on n'a toujours pas trouvé la réponse. Elles sont coupées de toute nourriture ou apport en oxygène, et pourtant elles sont encore là. Ma collègue a une théorie, ce seraient des reliquats. Mais bien sûr, on n'a aucun moyen de confirmer cette hypothèse. Je vous laisse travailler. Isharai. Dejan, il vous fait pas flipper, Sam? Un robot qui parle dans le cerveau de Ryder et qui entend toutes ses pensées? Pas du tout. J'adorerais pouvoir le démonter et comprendre son fonctionnement. Mais il me faudrait plus d'informations, bien sûr. Des schémas. Je ne voudrais pas le tuer. Ça va de soi. Ouais, on va s'arrêter là. Une humaine qui a fait la route jusqu'ici. Vous ne manquez pas de cran. Si quelqu'un peut aider mon peuple, c'est bien vous. Vous aidez pourquoi? Les Kert ont détruit Undaar non loin d'ici, pour se venger d'avoir été chassés par la Résistance. Les habitants qui n'ont pas été tués ont dû s'enfuir. Ils ont tout abandonné. Est-ce qu'ils ont pu se réfugier quelque part? On s'occupe d'eux. Mais maintenant, on a un nouveau problème. Je suis historien. Le Dahar abritait un artefact Angara inestimable. Une carte de la Völd antique. J'ai envoyé 2 de mes collègues la récupérer. Mais ils ont rencontré des problèmes là-bas. Les Kert sont revenus terminer ce qu'ils avaient commencé. Il faut que quelqu'un aide mes hommes à s'en sortir. Ne vous en faites pas. Je vais les tirer de là. Vous nous sauvez la vie. Je vais vous donner les coordonnées du Dahar. Dépêchez-vous, je vous en prie. Elle a été complètement ravagée.
Ça va? Écoutez, je ne sais pas ce que Ryoek vous a dit pour que vous nous aidiez, mais il vous a menti. Astra, ne fais pas ça. La ferme. Ryoek est un contrebandier de Kadara, comme nous tous. On est venu ici quand on a appris que l'Ekert est éradiqué des villages. Il veut vendre la carte de la Veule d'Antique au plus offrant. Elle vaut une fortune. J'ai su que cette histoire était louche dès que j'ai vu que vous n'étiez pas Angara. Ça ne m'étonne pas. Mais ce n'est pas pour ça que je vous le dis. Pourquoi alors? Quand je suis arrivée ici, quand j'ai vu ce que les Kert avaient fait à ce village, ces gens ont assez souffert. Ils n'ont pas besoin que des pilleurs viennent s'emparer du peu qu'il leur reste. Je veux que vous apportiez la carte à la Résistance, là où elle sera utile. Et Ryoek? Ce n'est pas un sale type, c'est juste qu'il a de mauvaises idées. Quand on lui expliquera ce qui s'est passé ici, il comprendra. Ne soyez pas trop dur avec lui, d'accord? Contentez-vous d'apporter la carte à la Résistance. Il en a fait une affaire personnelle en me mentant. On va avoir une petite discussion. Il fallait que j'essaie. Quoi qu'il en soit, merci. Vous parlez de la carte que vous vouliez vendre sur Kadara? Comment? Astra. Elle a retrouvé sa conscience, c'est ça? Cette fille n'est pas faite pour ce boulot. Croyez-le ou non, j'ai discuté avec ces gens. Ils ont souffert bien plus que je le pensais. Franchement, je ne suis pas sûr que je serais allé au bout de mon plan. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Il a essayé de voler votre peuple, Jal. À vous de décider. Entrez dans la Résistance. Si vous voulez piller, vous le ferez pour votre peuple. Vraiment? Il a fait une chose terrible. Mais il a fait passer son vaisseau au nez et à la barbe des Kert. Et ça, ça demande du talent. Autant l'utiliser. J'imagine que je n'ai pas mon mot à dire. Très bien. Je ferai ce que vous voulez. Par les étoiles, je regrette vraiment de vous avoir demandé de l'aide. Ils sont à nouveau opérationnels. C'est bon, la voie est libre. Avancez vers l'objectif. Vous avez des questions? Des chasseurs de trésors ont trouvé cette carte de la Veuld antique. Ils voulaient vous la donner. On croyait l'avoir perdue quand le Dahar a brûlé. Regardez-moi ces détails. Cette carte pourrait nous permettre de lancer des assauts via les anciennes routes commerciales, que même les Kert ne connaissent pas. Ceux qui vous ont donné ça méritent notre gratitude. Et vous aussi. Je crois que j'ai assez d'infos. Si vous avez besoin d'autre chose, je reste ici.